Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mon appart ça va nickel. Aujourd'hui les gars, petite vidéo très spéciale parce que Fortnite Mobile pour Android est enfin disponible. Les gars, je répète, Fortnite pour Android est enfin disponible. Ici, je l'ai sur ma page d'accueil, comme vous pouvez le voir tranquillement. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait pour télécharger. Tout simplement, vous allez sur le site fortniteformobile.com. C'est le site officiel de Fortnite. Vous pouvez voir en haut à gauche comment il y a le logo. Donc ici, vous pouvez télécharger pour Android ou encore pour iOS. C'est le vrai site, les gars. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous appuyez sur Fortnite pour Android. Mais si vous avez un Android comme moi, et comme ça, il va s'installer automatiquement. Alors, je l'annule parce que je l'ai déjà. On va ouvrir l'application. Allez, c'est parti. Alors les gars, là on vient de voir la vidéo officielle de Fortnite. Ici, on se croirait bien évidemment sur Fortnite, sur PS4 ou encore sur Xbox One. Vous savez, c'est la page principale. Donc loading, il est en train de charger. En bas, encore le site www.fortniteformobile.com. Ici, on va tout simplement taper pour pouvoir s'inscrire. Donc on va attendre un peu, vous allez voir, franchement la vraie application. Alors on attend un petit peu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est long quand même, c'est long oui, c'est très 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 long. Donc mobile vérification, donc oui, il faut vérifier son mobile, ne vous inquiétez pas, vous allez voir. Et là, ne faites pas ça les gars, ne télécharge rien du tout d'ici. Parce que ça vous amène des virus. Donc, les gars, s'il vous plaît, si vous voyez une vidéo de ce genre, arrêtez. Fortnite n'est pas toujours disponible sur Android. Donc, s'il vous plaît, vous désinstallez ce que vous venez d'installer, si vous l'avez installé. Et vous attendez que le vrai sorte. Merci.